un compte bloqué est un compte dans une banque où vous déposez une certaine somme d'argent qui est bloquée. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est simple. En gros, pour être simple, pour faire un compte bloqué, vous devrez déposer une somme équivalente à au moins 615 euros par mois pour les 12 prochains mois. Évidemment, je me répète beaucoup, je parle beaucoup de 12 mois, je parle beaucoup de 615 parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est eux qui exigent ça. 615 fois 12, ça fait 7380 euros. Donc, tu dois faire un compte bloqué. Et dans ce compte bloqué, il doit y avoir la somme de 7380 euros. Et là aussi, c'est au minimum. Ça veut dire que si tu as 10 000 euros, pourquoi pas? Si tu as 20 000 euros, pourquoi pas? À la différence de l'AVI, parce qu'on a vu l'AVI tout à l'heure là, où il fallait faire une attestation comme quoi qu'on va faire un virement par mois de 615 euros. Mais non, le compte bloqué, ce n'est pas comme ça. Le compte bloqué, il te faut vraiment la somme de 7380 euros minimum. Et ça, tu le fais une fois en fait, tu le bloques. Ça veut dire que tu as l'argent maintenant, et bien tu bloques l'argent maintenant dans un compte en banque en fait. Et une fois arrivé en France, et là tu pourras retirer l'argent. Mais attention, quand on dit retirer l'argent, ce n'est pas arriver en France, boum, retirer 7380 euros. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme son nom l'indique, le compte bloqué, bah l'argent est bloqué. Et maintenant, tu pourras retirer que 615 euros par mois jusqu'à la fin de la somme, c'est-à-dire en 12 mois. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle compte bloqué. Attention, hein, l'AVI et compte bloqué, ce n'est pas la même chose. L'AVI, attestation par mois, 615, là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la somme en ce moment, au moment où tu fais... l'AVI, mais le compte bloqué, pour bloquer la somme, ce n'est pas 615 euros par mois, mais tu bloques directement toute la somme qui est demandée, 7380, et une fois arrivé en France, tu pourras récupérer 615 euros par mois jusqu'à 12 mois. Beaucoup de banques en France offrent ce service-là, ou bien même en Afrique parfois. Une fois que vous avez ouvert votre compte en banque, et là, boum, déposez les fonds. C'est aussi simple que ça. L'argent sera bloqué, comme je l'ai dit, et vous ne pourrez retirer que 615 euros par mois. Pour les documents, rien de compliqué. Quand tu bloques ton argent dans un compte, évidemment, la banque va te fournir une attestation qui prouve que tu as déposé et bloqué le montant requis. Et ce document-là sera nécessaire pour votre demande de visa. Attention, cependant, quand on parle de compte bloqué, on ne parle pas forcément de garant en Afrique ou de garant en Europe, non. Parce que comme je vous l'ai dit, la prise en charge, c'est un garant qui se trouve en Europe ou bien en Amérique ou au Canada. Et l'AVI, c'est quand ton garant est en Afrique. Mais quand on parle de compte bloqué, là, on s'en fout que ton garant soit en Afrique ou bien en Europe. Tout ce qu'on veut, c'est est-ce que tu as la somme demandée et qu'on le bloque dans un compte en banque. Ça peut être ton garant, ton oncle ou bien ton copain qui est au Canada. S'il a envie de te donner l'argent pour que tu fasses un compte bloqué. Et c'est possible en fait. On s'en fout que ton garant soit un commerçant à Gedawai ou bien à Pékin. Non, à Gueltapé, on s'en fout. Si tu as l'argent, tu fais le compte bloqué à ton nom. C'est tout ce qu'on te demande. Point barre. Retiens aussi que ici, à la différence de l'AVI, là, on ne demande pas forcément de bulletin de salaire, de relevé bancaire. Non, non, non. Là, une fois que tu bloques l'argent dans une banque, tout document qui prouve que tu as fait ce bloquement-là, par exemple, attestation de solde, qui prouve que tu as dans ton compte la somme exigée, 7380 euros, eh bien, ça suffit pour déposer le visa sur la partie prise en charge, en fait. Et surtout, très important parce que vous me connaissez, j'adore les likes. Donc, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo. Et surtout, si vous êtes nouveau, bienvenue et pensez à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans pas longtemps là.